Et eh bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va ouvrir un colis que je viens de recevoir. Donc il est assez petit, mais on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les unboxings. On va procéder à l'ouverture du colis Amazon. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, du coup bah on verra après. J'ai un petit peu atteint la boîte, enfin le plastique de la boîte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui m'a envoyé des écouteurs que j'utilise tous les, enfin, on va dire tous les jours quand je fais du sport en fait, et je trouve ça très 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 pratique. Hop. Alors, je crois que c'était un casque, je sais plus du tout. Je sais plus si c'est un casque ou des écouteurs, mais on va voir ça. Le packaging, il a l'air clean vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'article de l'objet, enfin l'article de le. C'est dommage qu'il n'y ait pas une image de l'article qu'on a acheté, pardon. Mais voilà. En tout cas, bah on va l'ouvrir, mais sinon ça reste quand même pro, on va dire. On va donc ouvrir la boîte les amis et voir tout simplement, il me semble que c'est un casque bien sûr. Hop, on l'ouvre. Tac. Alors, ok. Déjà, une boîte de protection très très clean. On va l'ouvrir, voilà, donc je trouve ça super clean pour emporter. Donc oui, effectivement c'est un casque, oui, c'est un casque. Hop. Hop, alors, comment il se met, ok. Ok, voici le casque, donc Bluetooth apparemment, donc super, super pour le sport, très pratique, avec ça, et la notice qui va avec, donc Theotronix, merci Theotronix pour ce casque Bluetooth. On va le voir, on va le tester, faut vraiment le tester par contre, avant de juger, faut vraiment tester. Et ensuite, et bah je pourrais vous donner un avis complètement neutre, bien sûr, hop. Carte de visite, ça c'est super cool. Ça c'est, je crois que c'est une garantie, voilà, c'est une garantie il me semble. Et puis bah c'est vraiment stylé. Si vous n'êtes pas content, bah vous pouvez le dire et sans doute vous le faire rembourser très facilement. Ok, alors les fils, bah en fait là t'as un mode avec des câbles jack et un autre pour charger tout simplement le casque. Toujours bien plié. Hop, ils sont pas tressés les câbles. Mais bon, voilà, je trouve ça quand même bah, c'est stylé, puis même hein, si c'est Bluetooth on va pas l'utiliser tous les jours donc voilà, vous l'utilisez que la nuit quand vous le chargez ou juste pour par exemple le brancher au téléphone. Mais c'est très rare vu qu'il est Bluetooth. Et moi je préfère sincèrement utiliser le Bluetooth que prendre le fil et s'emmerder avec, alors qu'il peut s'enlever très facilement. Câble assez long on va dire. Hop. Et un autre encore plus long. Ouais, donc encore plus long. Le câble jack est plus long que le câble pour charger le téléphone, j'allais dire, mais non, le casque. Alors, ok, il a l'air vraiment... En fait, écoutez bien. C'est pas du plastique, vous voyez, c'est vraiment genre mou, c'est vraiment cool. J'espère qu'il tient bien, en plus il y a marqué, ça c'est très très bien je trouve, parce que là vous avez RL. Comme ça vous savez bien la droite et la gauche en fait. Et ça, vous n'êtes pas obligé de regarder la vieille, le vieux R, genre à moitié gravé. Et prendre du temps, là vous savez directement, vous regardez juste et c'est bien noté. Et puis en plus c'est très bien fait, vu qu'une fois que tu l'as, bah personne ne le voit et on s'en bat les couilles. Donc voilà, casque. Voilà. Non franchement, en temps normal, quand je vais faire du sport, je préfère rester discret avec des écouteurs. Mais pour le coup, je vais sans doute utiliser les casques, surtout Bluetooth. Alors là, que demander de mieux, les amis. Sinon, juste au toucher comme ça, bah déjà, en fait, c'est vraiment assez mou. Enfin, tout ce qui est, bah genre là, pour protéger un petit peu, pour remettre qui est en contact avec la peau, c'est vraiment. Enfin avec la tête du moins, c'est vraiment mou et c'est très agréable je trouve. En tout cas, la taille vous pouvez régler, mais bon voilà, ça dépend si vous avez une grosse tête ou pas. Très important ça, parce que je sais que quand je mets dans le sac de sport, des fois bah je peux casser des trucs, comme par exemple mes écouteurs. Et ça bah pour le coup c'est... Vous voyez, genre faut vraiment être un bourrin et charger son sac comme un malade pour qu'il y ait des choses dedans. Je vais le fermer 2 secondes, hop. Voilà, au moins c'est protégé, il risque pas de casser, du moins je pense. Donc pas obligé de chercher les fils. Et deuxièmement, bah vous avez un gros objet où c'est hop, c'est mon casque. J'ouvre.
Je prends, je laisse là-dedans, enfin je laisse le truc dans mon sac. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Après juste à connecter. D'ailleurs en parlant de ça, bah go le charger hein, bien sûr. Petite anecdote, je vais vous montrer mes écouteurs que j'ai eu avec mon S8, en fait mon Samsung Galaxy S8. Et bah ils sont tout simplement cassés parce qu'en fait j'ai fait un tour de vélo et je les ai mis dans ma sacoche sans faire attention et du coup le fil est complètement cassé, il y a du scotch. Bah je vais pouvoir le montrer avec mon téléphone. Comme vous avez vu, il y a du scotch et c'est pas très esthétique. Les écouteurs sont super en plus, c'est ça, j'ai vraiment le seum pour ça. Mais bon, si vous voulez, le lien sera dans la description vers Amazon. Ça peut être stylé pour vous, mais ils coûtent vraiment cher. Et bah, sincèrement, bah, ils ont un bon son, mais j'ai quand même le seum que j'ai cassé. Je vais donc brancher le casque et l'alimenter afin de pouvoir utiliser le casque et vous dire si le son est bon et faire un jugement complètement neutre sur le casque. En attendant que ça charge, j'ai fait l'achat de ce câble. Personnellement, je ne connais pas la marque, c'est pas un partenariat avec la marque, je connais même pas la marque. Juste pour vous dire que bah voilà, j'ai acheté ça pour brancher mon téléphone et je trouve ça super utile, donc je le partage. En fait c'est un câble de 2 mètres qui est tressé, donc voilà il est bien résistant et super résistant et puis il fait 2 mètres, donc voilà. Si vous voulez l'acheter c'est dans la description. En tout cas je vais attendre que le casque charge. Et bien re les amis, je vais donc connecter le casque en Bluetooth après l'avoir chargé pendant environ je pense 1 heure. Je suis allé manger entre temps. Effectivement là il y a un on off, un petit voyant, ça c'est super pratique en fait. Parce qu'il y en a qui le mettent pas, ils prennent pas le temps de, enfin il y a des trucs, en fait des objets qu'ils ont pas de voyant et du coup vous savez rien du tout sur l'objet. Je trouve ça très 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 chiant. C'est bizarre à expliquer, ma voix je l'entends mais genre en mode atténué de ouf. Mais je l'entends, j'entends les bruits autour mais c'est très très bizarre la façon dont j'entends ma voix. J'entends ce que je dis mais genre tellement bien. J'essaie de me connecter là pour l'instant. J'ai encore la musique là mais j'essaie de me connecter. Je pense qu'il y a un bouton Bluetooth. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais c'est sûr que ça serait un peu con s'il n'y a pas le bouton Bluetooth. Bien sûr. Pour le coup ça serait vraiment con que j'arrive pas à le connecter en Bluetooth vu que bah je compte sincèrement l'utiliser. D'accord. Merci la notice. En fait, il faut tout simplement cliquer sur le sur un bouton en fait. Là, qui est juste en, tout en haut. Voilà. Donc là c'est un clignoté rouge et bleu. Tout simplement, et il y a un truc qui s'est dit dans le casque. Et donc, logiquement, je devrais avoir le nom du casque qui apparaît. Ok, voilà, parfait, en 2 secondes, vraiment, sincèrement en 2 secondes. Donc c'était de ma faute. Je vais écouter le son et je vais vous en dire des nouvelles. Ok, donc le son n'a l'air pas très mal. Franchement, sincèrement, il est bien, mais j'aimerais bien l'augmenter pour voir jusqu'à où on peut aller. Ça se trouve, il y a un bouton plus moins. Ok, là on peut aller plus fort, donc voilà. Ok, je suis allé au maximum et effectivement c'est assez bruyant. J'entends bien la musique, mais par contre il y a vraiment un... Ah, je peux pas parler, je m'entends pas, c'est horrible. Ok, donc sincèrement le son il est bien, il tient bien aux oreilles, franchement. Sincèrement, si vous faites du sport, je vous le conseille, sincèrement. Je vais faire une séance avec et je vais vous en dire des nouvelles après, dans quelques jours dans les commentaires, je pense. Mais voilà, en tout cas, j'ai écouté une musique et puis c'est vraiment, par rapport aux écouteurs, le casque est mieux. Je suis sincère, le casque est vraiment mieux. Et bah voilà, donc voilà, Taotronix, le casque est vraiment mieux. Évitez de courir avec, je pense, parce que là, il peut bouger facilement. Je pense. Sincèrement, je trouve que le son il est vraiment naturel, on va dire, enfin naturel. Dans le sens où les basses et tout, on entend bien. Donc voilà, plus besoin de notice, j'ai tout compris. Ensuite, le temps de charge, je pense que ça fait. En 30 minutes, c'est chargé. Mais je pense qu'il faut le charger régulièrement, je pense, hein, je suppose. Tout simplement Bluetooth, qui est super. Je vais l'utiliser dans les prochains dans les prochains jours qui suivent. Et puis voilà, pour le ranger, c'est tout simple. Je vais montrer pour ceux qui risquent de l'acheter. Au fait, le lien est dans la description. Si vous voulez, avec le lien Amazon raccourci affilié. Hop, on le pique comme ça. Alors de base il est comme ça. Vous voyez, vous prenez, tac. Hop. Et l'autre, bah, vous pouvez le replier normal. Et ça fait que bah ça prend pas beaucoup de place. Vous avez juste à mettre là. Et hop, la fermeture est clean aussi. Le produit coûte 60€ je crois. Mais sincèrement, bah, si vous faites du sport, ça, vous allez voir que c'est vraiment bah, super utile. Et je parle en connaissance de cause parce que vraiment, en ce moment, bah, je fais beaucoup de sport. Et puis bah, et je trouve ça super intéressant d'avoir de la musique quand on fait du sport pendant de longs moments. Ils m'ont pas payé pour cette vidéo par contre. J'aurais dit que je faisais ça gratuitement. Et puis voilà, simplement, je vous mets le lien dans la description. Ils me payeront pas, sincèrement, ils me payeront pas. La dernière fois, ils m'ont payé, mais cette fois-ci, ils me payent pas. Je me suis dit, c'est pas grave. Enfin, ils m'ont dit, désolé, on a plus de budget, on a pas de budget, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, même si c'est faux ou quoi, qu'ils ont du budget, c'est pas grave.
Comme ça, je vous fais un unboxing, des vidéos, et puis voilà. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX. Et surtout, abonnez-vous les mecs, c'est très important. I'm taking my time on my ride.